Bonjour, je m'appelle Aimé Chukuru Tuyishime, j'ai 18 ans et je viens du Kenya. Je me rappelle la première année que j'ai passée ici, j'avais tout de suite envie de retourner de là où je venais parce que c'était nouveau pour moi et je comprenais rien. J'avais de la misère à m'adapter, surtout que j'étais une personne très très timide. Je faisais pas grand chose sauf que j'entendais parler des Carl qui faisaient de la course et qui faisaient aussi d'autres sports. C'est quelque chose qui m'intéressait, si je ne me trompe pas. La première année, je n'en ai pas fait, mais à ma secondaire 2, au secondaire 2, c'est là que j'ai décidé que ça me tentait de le faire. Je me suis inscrit dans le club de course. Ouais, c'est ça, on avait des entraînements deux fois par semaine. Et il y avait aussi le club de soccer, c'est Carl qui avait organisé ça aussi. Il y avait aussi le club de boxe, c'est Carl qui a organisé ça aussi. Il y avait aussi la musique. Et justement, dans tous ces sports-là et toutes ces activités, j'apprenais à connaître d'autres personnes. Plus ça avançait, plus je m'ouvrais, plus je comprenais comment que ça fonctionnait. Et par-dessus ça, il y avait le challenge de l'espoir. Et justement, c'est toutes des expériences qui m'ont uni à d'autres personnes, qui m'ont façonné. Justement, comme le challenge de l'espoir, je pense que c'est quelque chose qui m'a changé dans ma vie parce que la première année que je l'ai faite, justement, j'étais dans cette transition où je changeais d'une personne qui était réservée à une personne qui commençait à parler plus à d'autres personnes. Et aussi, j'ai grandi personnellement parce que, justement, à faire du vélo pendant 7 jours. Et justement, quand tu montes la côte et que tu vois que tu te dis que tu n'y arriveras pas, mais finalement, tu réussis à la monter, au final, tu finis par te dire « Ah, peut-être que je peux... » Je pourrais surmonter des choses qui, au début, je me disais que je ne serais pas capable. Mais c'est des choses comme ça qui, personnellement, je sens qui m'ont permis à mieux m'intégrer dans la société et à grandir comme une personne. Le projet publicitaire dans lequel je participe est une grosse opportunité pour moi d'avoir de la visibilité, surtout dans le métier que je vais exercer plus tard, et surtout une plateforme pour diffuser les messages que j'ai et les messages des personnes que je vois autour de moi, que ce soit des gens noirs, latinos, autochtones, peu importe. On est là pour représenter toute la minorité qui est présente au Québec.